Je disais que j'avais envie de grignoter un petit bout, donc je vais peut-être couper le son momentanément parce que j'ai pas envie que ça croustille dans vos oreilles. C'est pas des plus agréables. Donc si vous ne m'entendez pas mais que vous voyez le jeu, avancez, c'est normal, c'est juste que je suis en train de grignoter à côté. Pas de panique. Bon après si je peux m'amuser à manger et à jouer en même temps, hein, mais c'est pas hyper confortable. Et donc oui, c'est le retour du Krusty Live. Alors, tu viens de lire une bonne nouvelle, tu me l'envoies le lien sur Twitter. Alors, je vais aller voir ça vite fait. Alors, des nouveautés sur Dolphin. La Dolphin, nom de projet pour GameCube, machin chose. Le résultat est très drôle, on imagine des nombreuses lettres et autres emails d'un ultra de nana. Les parties de Zelda en 4K. Oh là 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 là. Je vais garder ce lien de côté parce que là je vois la tête de Twilight Princess juste au-dessus et putain vache, si on peut jouer au jeu Twilight Princess avec les mêmes graphismes, attendez, juste regardez vite fait, je vais vous montrer. Genre juste l'image. Et après on reprend. Alors, paramètres, oui mais j'ai mal paramétré mon truc, moi j'ai fait n'importe quoi, enfin. Capturer une région, s'il te plaît, laisse-moi montrer le truc. Allez, viens là. Hop. Voilà. Hop. Honnêtement, si le jeu est comme ça, ouais. Je trouve que c'est cool. Si on peut jouer à Zelda Twilight Princess comme ça sur un émulateur GameCube, honnêtement, je trouve que c'est plutôt cool. Parce que si l'image allait comme ça, bon, je pense par contre qu'il faudrait peut-être un truc hyper performant, mais je garde ça de côté, j'irai voir. Émulateur assez performant, GameCube plus, oui. Il y a tous les liens de dev dans l'article. Zelda Twilight Princess, j'ai refait sur Wii U récemment. Oui, j'ai regardé Vinny de Vinesauce faire Twilight Princess en HD. Et j'avoue que le jeu était magnifique. C'est. Et vraiment très 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 beau. Déjà que je le trouvais très très beau de base, j'aimais beaucoup son esthétique et le côté entre guillemets un peu sombre de ce Zelda. Mais quand j'ai vu le remake HD, j'étais là, je fais waouh, il est vraiment. Merde, je pensais qu'il allait continuer à rouler. Il est vraiment, vraiment très beau. Et si on peut y jouer sur émulateur comme ça, waouh, je suis impressionnée. J'espère juste que ça pourra tourner sur mon PC, mais honnêtement, c'est plus que joli. Ah, sur Facebook, d'accord. Bah, c'est juste que Facebook, je l'ai pas ouvert. Enfin, j'ai pas Twitter ouvert non plus, donc. Du coup, j'aurais été le voir effectivement après le live. Bah, je vous remercie tous les deux du coup pour les infos. C'est super cool parce qu'il y a moyen qu'on fasse des trucs sympas sur GameCube, effectivement. Donc, oups. Le masque qui me protège pas. Non, je me fais bouffer du premier coup. En tout cas, c'est très très gentil à vous d'avoir pensé à moi. Là, j'avoue que ça m'intéresse quand même plutôt pas mal. Thank you.
C'est gentil. Ça passe? Non, ça passe pas. Hein. J'ai refait la même erreur. J'ai fait la même erreur également. Moi, au début, quand je l'ai joué sur Wii, Twilight Princess, je l'ai pas plus kiffé que ça à cause du loup et tout, et de l'obscurité. Oups. Et de l'obscurité, on voyait rien, tout ça, mais quand je l'ai refait sur Wii U, j'ai kiffé. Trop de chiffres plus, tu m'étonnes. C'est vrai que ils ont amélioré certains paramètres, et le jeu déjà est parfois moins flou qu'il ne l'était à la base, et parfois beaucoup plus clair. Non, il faut attendre, putain! Et parfois beaucoup plus clair. Donc c'est vrai qu'il est plus confortable. Et après, moi je n'en ai pas personnellement parce que je suis vraiment pas fan des amiibo. Mais si vous avez des amiibo, c'est vrai que le fait de pouvoir se recharger en flèche notamment, ou alors le truc d'augmenter la difficulté ou de réduire la difficulté avec certains amiibo, c'est assez rigolo. Mais n'étant pas fan... Mais putain, il faut attendre, bon sang! Je veux pas le retenir. Donc oui, n'étant pas fan des amiibo, ni par ailleurs des cartes amiibo là, j'avoue que je n'en ai pas, que je n'en veux pas particulièrement non plus, parce que bah, après ça encourage les jeux comme Animal Crossing, Party, je sais plus quoi là, où du coup t'as un jeu, faut attendre, bordel. Putain, le singe, je pensais qu'il repartirait dans l'autre sens. Putain, mais j'ai refait la même chose. J'en ai marre. Qui encourage les jeux en kit. Et par exemple, le jeu de qui ressemble à un Mario Party, mais version Animal Crossing, où bah, pour tout débloquer, il faut avoir les amiibo, les cartes, les conneries. Happy Home Designer, c'est pareil, t'as le jeu, mais tu peux y jouer beaucoup plus longtemps si tu as des cartes. Je trouve ça vraiment dommage, parce que bah, déjà qu'avec les DLC... Et tout ça, bah, on a des jeux en kit. Mais alors là, c'est même plus en kit, c'est un jeu à construire soi-même. Je trouve ça vraiment dommage, je suis vraiment pas fan de ce genre de technique. Nintendo, c'était mieux avant. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est juste que je suis pas fan de ce truc-là, mais... Mais putain! Ça faisait longtemps que j'étais pas morte. C'est bon. Alors, il y a aussi les tampons qui ont été ajoutés. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas le tempo. Il y avait un Link et un Zelda et un Link Lou. Oui, il me semble. J'ai jamais trop utilisé. J'aime bien les amiibo, pas les cartes. Parce que je suis une dingue de figurines. Oui, par contre, c'est vrai que ce sont de très jolies figurines. Mais vu qu'après c'est parti en couille ce qu'ils ont fait avec l'utilisation des amiibo, autant effectivement pour Smash Bros le fait d'avoir un espèce de clone qui te permet d'enregistrer ta progression et après avec lequel tu peux te battre contre, je trouve ça intéressant. Mais après toute la dérive qu'il y a eu avec les amiibo, je savais que ça allait mal tourner. Donc c'est pour ça que j'en ai pas acheté, mais c'est vrai que par contre, sauf quand on trouve les figurines défectueuses, c'est vrai que ce sont de très belles figurines. Ça, je peux pas dire le contraire. Pour la plupart des jeux, ça n'apporte qu'un petit bonus. Les amiibo, je cautionne parce que c'est des figurines d'une qualité qui vaut son prix surtout. Oui, c'est pas faux. A voir sur NX. Oui, j'ai aussi un Yoshi en lane. Oui, c'est vrai que l'amiibo Yoshi lane, il est très très mignon. Mais donc voilà, j'ai un sentiment mitigé sur les amiibo, parce qu'effectivement ce sont de jolies figurines, mais quand ça... Putain, j'en ai encore raté deux! Mais quand ça encourage les jeux en kit, honnêtement, ouais non, c'est pas mon truc. Alors, je vais grignoter, je me mute quelques minutes et on va recommencer ce niveau, puisque bah, j'ai raté des caisses comme une... comme une pas douée. C'était pour le cas où il y avait des caches derrière, hein, je précise, j'ai pas fait ça dans le but de uniquement mourir. Oh,
D'ailleurs, si quelqu'un sait où peuvent être les caisses qui me manquent, je veux bien de l'aide parce que je vois pas où est-ce que j'ai pu les oublier. Ben, il me semble que j'ai toutes les gemmes. Donc, non, sous le pont, c'était le niveau d'avant. J'ai déjà fait celui sous le pont. Là, je sais pas. J'ai pas vu de gemme de couleur, je crois. Donc, je sais pas lequel c'est. Voilà, c'est bon, j'ai fini de manger. J'ai fini mon goûter. Comparé à Skylander, qui sont des figurines juste pour le jeu en kit. Oui, Skylander, effectivement, ça, j'en parle pas. Hein. Skylander, ça m'énervait, ça, dès le départ. Hein. C'est sûr que oui, comparé à Skylander, les animaux, c'est pas si mal, mais bon. Skylander, j'ai perdu tellement l'argent là-dedans, tu m'étonnes, vu tout ce qu'il faut acheter. Je regrette par contre qu'on n'ait pas, par exemple, de DLC de perso Smash Bros. Avec les figurines. Genre Mewtwo. C'est-à-dire. Ah oui, que genre t'as acheté l'amiibo et t'es le personnage, c'est ça? Une trentaine de figurines useless. Putain la vache, t'en as acheté plein. Ça doit prendre beaucoup de place en plus. Genre t'achètes Mewtwo, t'as une réduc ou carrément. Ah oui, effectivement. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Ça aurait été cool qu'ils fassent ça, effectivement. Putain, je vois pas où est-ce qu'elles peuvent être ces caisses. Oups. On ne fait pas la roulade sur quelque chose qui vient vers soi en roulant. Je vais tenter d'ouvrir les yeux, mieux que tout à l'heure. N'hésitez pas à ouvrir les vôtres aussi. Mais bon, avec décalage, ça va être un peu compliqué. Mais si jamais vous voyez quelque chose, dites-le moi. Et pas le moi, mais n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose là sur le côté? Non, il n'y a rien d'avoir. Hein. Pas grand chose. Bah ouais, c'est peut-être au moment où je tape une caisse point d'exclamation, mais je vois pas ce qu'elle active. J'ai pas trouvé. C'est pareil, je crois qu'il n'y a rien sur le côté. Hein. Ça se trouve, elle active peut-être quelque... Oups. J'ai pas attendu assez longtemps. J'allais dire, ça se trouve, elle active peut-être quelque chose derrière moi, et non pas devant moi. Je vais essayer de retourner voir. Alors, on va attendre qu'il remonte. Hop, ça a l'air d'être bon.
Ah, c'est ça. Ils étaient en fait, c'était une caisse qui activait quelque chose, mais derrière moi et non pas devant moi. C'est ça, bien vu, bien vu. Bien vu, Kazanlis. Le point d'exclamation me donne l'impression que le bruit vient de la gauche. Ben oui, c'était ça en fait, c'était derrière. C'est fourbe, c'est si fourbe. Oh là là. Derrière et à gauche, exactement. Bah oui, mais par rapport aux gemmes, il y avait effectivement les gemmes sous le pont. Mais c'était dans le niveau précédent. Là, il n'y avait pas de gemmes sous le pont. Donc c'est pour ça que... c'est pour ça que... je pensais pas qu'il y aurait quelque chose sous les troncs d'arbres. Mais effectivement, vous aviez tous un petit peu raison. C'était bien sous le pont, c'était bien vers derrière, vers derrière et vers la gauche. En même temps, un level qui a pas un truc fourbe dans Crash 1, oui, c'est vrai que c'est rare, hein, mais j'avoue, ça aurait été encore plus fourbe si ça avait fait disparaître des caisses. Étant donné que, effectivement, on a vu des caisses point d'exclamation qui activent et qui. Mais pas de manière permanente des trucs. Mais bon, ça aurait été un peu bizarre quand même, ça fasse disparaître des caisses. Mais là, ça les a fait apparaître, mais derrière. Surtout qu'il me semble pas qu'on voyait le tracé, hein. On les voyait pas de manière transparente, donc c'est vraiment fourbe. Je pense que ça mérite une nouvelle sauvegarde. Voilà. Ah mais oui, non, je suis bête. C'est un boss, j'ai pas eu le titre. En tant que game designer, je l'aurais fait. Elle m'était tellement fourbe, c'est pour ça. Bien. Là, c'est bon. Donc, ici. Ici, effectivement, il nous manquait une gemme de couleur. Je crois que c'est à la fin qu'elle se trouve. Ah, hello, Hilo Nyoshi. How are you? Nearly the end of Crash 1. I've got mostly all the gems, all the color gems, sorry. And I'm currently trying to get all the diamonds. So the end of Crash 1 is near. Oups. Non, j'ai sauté trop tôt. Too early. So, you got summer school tomorrow. Oh! Well then, I hope that's a good thing. And I must say that I'm really glad that you came back, because I don't know, it's kind of cool that. That non-French speakers came back on the stream, so it means that I'm kinda entertaining, I guess. So thanks for coming back again. And when I'll be done with Crash 1, we'll get back to Crash 2, still in Japanese. And let me tell you, I heard the voices, and some of them just really shocked me, like Coco's voices. Ah, so weird!
Oh. Waouh. C'est cool. Cet endroit est vraiment cool. This place is really cool. I died because I jump on the life box and I just jumped so high that I reached the death point and the game thinks that I died and not and I was not anymore in the secret zone. Oh non, c'est dégueulasse, j'ai touché la hitbox. Voilà, c'est ça. That's the word that I was looking for. Hitbox. J'ai touché la hitbox du trou, entre guillemets. Et du coup, je suis morte en sautant sur la caisse. Putain, la loose. Je suis morte par le haut. School in summer, what's that torture? I flunked most of school, I was catching most of the time. It's meant to boost your grades so you can pass. Oh! Well then, I hope you'll pass. So I'm not gonna do that again. Wow! So cool. Ah, on a aussi droit à Embryo. Bah oui, le vide, la hitbox du vide est toujours présent. Mais ouais, mais c'est relou. There's a lot of diamonds. Cool. Three to go and we're done. Alors, non, ça c'est un boss. Cortex, là c'est bon. Ça, c'est bien un niveau. Ah oui, et c'est celui-ci où ça se séparait en plusieurs chemins. Très bien. Oh, mais non! Oh! Died on the first enemies. That's so me. Ah mais non. I'll be playing Crash Bandicoot 2 after this one. Le level des marches arrière, eh oui. I'm gonna go for this one first. Oops. Whoops. Whoops. I thought I already get a checkpoint. Oh, that's... Whoopsie! I completely forget that I didn't get a checkpoint on this level, so here we go again. I'm so sorry. Sometimes I can be really clumsy and... Yeah. This happened. Oops. Time to get you a coffee, a drink, or I don't know. You already see that, so if you need anything, it's the perfect time to get it.
Allez, non, GG, je sais, c'est... You think Cortex would stop doing evil by now, then again, he does help out in Twin Sanity. Yeah, that's right. You can use him and smack things with him. So, there is some fun in Twin Sanity. However, I'm not quite a big fan of Twin Sanity because you lose the invisibility with Aku Aku. When you get three of them, you cannot go into the nitro. You know, the green boxes? I think it's nitro. Anymore, because you die. You're not invincible, so I think that's a bit lame, but I might try again Twin Sanity someday. But yeah, Cortex never stops his evil plans, never. So, we were there, and I'm just gonna make a quick save state in order to not do this again. Hop, voilà, comme ça, si jamais je rebafouille, au moins on reviendra à ce niveau-là et pas à celui d'avant. J'ai pas envie que ça arrive à nouveau. Oh, ce fail magnifique. Donc on va recommencer par ici. Hein. I think Twin Sanity succeeded well on making a full 3D crash game and the a cappella soundtrack is very good. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement ils ont fait une soundtrack tout en a cappella. Yeah, I think I completely forgot the a cappella thing and that's quite impressive I think. But it's not one of my favorite crash, however. And when I got the game when I was younger, I it was a second hand. So there was a little scratch on the disc, and I couldn't finish the game. The cinematics won't load, and I was stuck at the end of Crash Twin Sanity. I couldn't beat the last boss. So I don't know. Maybe one day I'll try it again. So there were. Je regarde juste s'il n'y a pas des caisses. Ok, so there were no boxes in here. Crunch in the Wrath of Cortex is always serious, but after that he became goofy and stupid. I wonder if Crash gave him brain damage. Yeah, maybe. I'm planning to do the Wrath of Cortex as well, because I kinda like this game, even if sometimes some levels are really, really painful. But I might stream this game. Oops. Bon, au moins je sais qu'il n'y a pas de caisse là-bas, je pourrais juste me contenter de choper le truc. Ah. Always a little too late. Boule de gras. I guess I could take this one.
boule de gras. C'est vrai que ça ressemble un petit peu. Ça passe? Oui, ça passe. Wouh! Oups. Yeah, and after that, that's right, he became part of the Crash family. Which is kinda nice, I think, cause he was just another Cortex experience, so... Whew! Should I take it or not? Because I still gotta take all the boxes from here. I'm gonna try not to die. Ça va être compliqué de... Oui, not to die, yeah. I'm just gonna check if there are any boxes in here. Ah non, je suis revenu sur le... Oups. Là je suis dans le nœud. Oh mais... N'importe quoi. Mais... Oh come on. So here that leads to the secret part. I just wanna see if there are any boxes, maybe, in here. So there's one here. Okay, so there's just one here. So there's just one. Ah mais... Allez... Crunch always make me think about new version of Knuckles in the new Sonic series. Knuckles on steroids, yeah. Faudrait apprendre à Crash. Oups. Que les bains d'acide c'est pas bon pour la santé. Ouais, mais. Oh. C'est vrai que. Il a l'air de vouloir aimer ça quand même. Hein. Mais bon. Allez, ce coup-ci c'est bon. Ce coup-ci ça passe. So, I'm not gonna take it yet. Let me through. Thank you. Ça y est, on est reparti. Ah. But at least now all the boxes are safe.
No need to go on backtracking again. Oh, come on! Mais non, pas comme ça! Allez! No. Alright, French, it's been fun. I gotta bounce, or how I like to say, am I gonna do a thing? Okay, then see you later, maybe. I hope you'll stop by again. Ah, voilà! Salut Indigeste, comment ça va? Fou. Eh ben c'était dur, hein. Ouha, yo. Oh hi Indigeste. You're tearing me apart, Lisa. Alors. Bah et du coup j'ai... Ah bah si, j'allais dire j'ai pas la gemme, mais si en fait je l'ai, mais elle est juste tellement bleu sur bleu que je ne la voyais pas. Donc ça c'est pas un strip, ça c'est bon, ça c'est bon. On a presque fini Crash 1. Du coup, après on pourra enchaîner sur Crash 2. Bah écoute, pour le moment ça va, j'ai beaucoup moins mal à la tête que tout à l'heure. Bon. Les cachets m'ont aidé, je pensais que ça passerait. Non. Ah. Donc, ouais, j'ai beaucoup moins mal à la tête que tout à l'heure, donc ça va mieux. J'espère que ça va rester comme ça. Ah! Trop tôt, trop tôt. C'est pas vrai, je vais le faire exprès à chaque fois. Il faut que j'attende plus longtemps pour le feu. J'essaie de me concentrer un peu, comme ça on finit Crash 1 rapidement, entre guillemets. Mais j'ai quelques problèmes à me... Enfin, quelques difficultés plutôt, à me concentrer. Attends. Voilà. On va y aller doucement, mais pas trop non plus. Ouf. J'ai eu peur. Alors, ici je me souviens qu'il fallait la gemme bleue, je crois, à un moment. Bah alors. Ah mais non!
Waouh. Oh non! Voilà, à force, on y arrive. Doucement, doucement, tout va bien. Voilà, c'était ici. Non! J'allais dire, ne tombe pas dans le trou, s'il te plaît. Je n'ai pas eu le temps de lui demander. Il est tombé. Oh, mais j'arrive pas à savoir si je sauve, si je saute trop loin ou si je saute pas assez loin. J'arrive pas à voir. Cette safe tête sur le boom de la TNT. Bah oui. Oui, on est des piliers et on tourne. Et on tourne, tourne, tourne. Et moi je tombe, tombe, tombe. Oh, mais tout à l'heure ça marchait. Maintenant ça marche plus. Bon, maintenant il faut que j'attende que l'araignée descende vraiment. Tout à l'heure ça marchait. J'arrivais à sauter sur elle même si elle n'était pas là. Allez savoir. Alors, doucement. Wouah! Salut à coup. Salut. Alors. Là ça va, j'arrive à un peu mieux voir. Pas évident, je vois pas grand chose. De côté au moins c'est plus facile. Mais de face ou de dos par contre. Tu sautes trop loin, d'accord. Je sautais trop loin. Ouais, j'arrivais pas du tout à savoir si je sautais trop loin ou pas assez loin. Alors j'espère qu'il n'y avait pas de caisse sur l'autre chemin. Pas assez vicieux, même pas de TNT dans ce bloc de caisse. Oh bah eh oh, ça va hein. Je l'attendais aussi. Oh. Ah, moi je suis contente qu'il n'y en ait pas eu, tu vois. Alors je me permets une sauvegarde ici, parce que je sais plus s'il y avait des caisses. Non, il n'y avait pas de caisses. Très bien. Je vais voir si je peux retourner là-bas. Est-ce que l'araignée repop à votre avis? J'en ai pas l'impression. Il y avait eu un truc qui avait repopé dans, dans un niveau, mais ici non, l'araignée ne repop pas. Bon. Voilà. Ah mais non! Oups! Bon bah, autant passer directement. Voilà, hop. Alors je crois qu'il suffit juste de marcher. Ouais c'est ça, il n'y a pas de trou en fait. Sauf là. Et on est reparti. Oui.
Allez, saute. C'est bon, j'ai le checkpoint. Allez, dis-moi que j'ai toutes les caisses. Moi, toutes les caisses. Haha, je vous ai eu. Quoi? Il m'en manque une? Sérieusement? Oh non. Oh putain. Eh ben, on est reparti pour le même niveau. Oh, décidément. Trop nul. Trop nul. Elle est au début, je crois. Sérieux? Là, je vois rien. Mais non, mon masque! Voilà. Bon, en tout cas, là, j'ai rien vu. Mais où es-tu, petite caisse? Elle n'est pas là. Si tu veux me linker quelque chose d'important ou d'intéressant, Belgara, n'hésite pas à me whisper. Comme ça, bah, éventuellement, je pourrais partager le lien. Là, je vois rien. Oups! Là, je vois encore plus rien. Ah, l'enfer des caisses qui manquent, sérieusement. C'était juste un truc rigolo sur ta situation, rien d'important. Eh ben oui, ben désolé, oui, c'est à cause des bots, comme il y a souvent des bots qui débarquent et qui balancent plein de liens, j'ai préféré interdire les liens dans le chat. Mais tu peux quand même le whisper, y a pas de souci. Bon, y a pas de caisse là-haut? Non. Ah, mais foutu caisse. Je vais laisser passer. Y a rien là. Mais attention, ces bots sont faits pour spammer. Attention. N'empêche, on voit quand même le lien sur ton stream. Ah oui, c'est vrai. C'est rigolo, ça. Oups. Bah alors. C'est vrai que c'est rigolo, j'avais pas vu que sur le truc, tu voyais le lien. Intéressant. Bah si vous voulez vous amuser à recopier l'URL, allez voir ce que c'est. Et oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Putain, mais je fais n'importe quoi. Non, attention. Sinon, je te banne. Je m'en fous. Sauf que si je te banne, tu risques d'être banne pour longtemps parce que j'ai pas configuré... Ah, je saute trop tôt. Parce que j'ai pas configuré le timeout. J'ai pas réduit le temps. Bon, allez. On reprend son sérieux. Et on tente de jouer un petit peu correctement quand même, ce serait bien. Parce que déjà qu'on va en bouffer du crash, mais alors là, si je perds mon temps à décéder en vain et encore et en sang... Ah non, j'ai pas saisi la référence. J'ai pas saisi la référence. Désolé. Quelle est donc cette référence? Oups. Et non, je suis pas morte. Pas encore. Je préfère dire. These boots are made for walking. Ah, j'avais pas... Enfin si... Mais j'avais pas... D'accord. Pourtant je connais la... Je connais la chanson.
Ah! Bon alors, où es-tu, caisse manquante? Non, y a rien au-dessus. Est-ce que à tout hasard, il y a quelque chose par là? Non, du tout. Il n'y a rien. Putain, mais je vois pas où elle est. Je vois pas où elle est. Parce que là, on va revenir. À moins que j'ai oublié une case dans le niveau bonus de tout à l'heure. Ça, éventuellement, je veux bien croire que ça puisse arriver, mais ok, oui, celle-ci, et là-bas, il n'y avait rien, on est d'accord. Il y a peut-être une caisse là-haut. Ah, c'est ça, elle était là. La coquine. La coquine. Putain, c'est fou. Vous voyez, il n'y avait peut-être pas de TNT dans le gros pack de caisses, mais... Il y avait une caisse là. C'est tellement fourbe. Pas très bien l'intérêt d'avoir une invincibilité ici, puisque bah, tu sautes de jambe en jambe, donc fondamentalement tu ne vas pas vite. Mais bon, alors je vais me recentrer un peu. Je vais faire de mon mieux pour ne pas mourir avant le prochain checkpoint. C'est bon. Pfff. Non! Bon, j'ai voulu bourriner, mais ça ne passe pas, sinon. Ah bah si, ça passe. Eh, au moins, j'ai attendu, hein. Je suis morte après le checkpoint. Vous croyez que ça peut marcher si je passe... Oui, si je passe par là, ça marche. Oups. Allez, zou. Wow. Wow. Un peu plus et... Je me faisais scrabouiller. Et normalement, on les a tous. C'est bon. Super musique. Bien, alors la dernière, elle se trouve... Parce que là, je suis à la fin. Ah, s'il m'avait manqué encore une caisse, j'aurais pleuré, mais si fort. Parce que là, c'est Nitros Brio. Là, j'ai fait la gemme jaune. Et là, c'est le dernier niveau, donc est-ce qu'il faut que j'aille là? C'est là-dedans que je vais trouver la dernière gemme? Parce que sinon, j'ai fait tous les niveaux, hein, il me semble. Je vais faire une sauvegarde.
Remarquez que toutes les jeunes donnent 1%, mais la dernière en donne 2. Oui. Le level du cochon. Ah bon? J'avais pas toutes les caisses pour le cochon? C'est le deuxième level. Le level de la deuxième île qui prend la clé. Alors... ça c'est le boss, ça c'est Alashi, donc ça c'est le truc de château avec la tempête, ça c'est la grosse boule. Ah oui, j'avais pas vu, il est caché là derrière. Ah putain, j'avais pas vu le petit truc pour y aller. Ah, merci. J'avais pas vu, du tout, du tout. Alors, je vais juste me permettre une sauvegarde ici pour pas charger le niveau d'avant. Waouh. Pour le cas où je fasse à nouveau un oups, j'ai chargé la sauvegarde d'avant et en fait c'était dans un niveau totalement différent. Alors. Putain, la caisse elle s'est cassée après coup, t'es sérieux, t'aurais pas pu me dire avant. Donc là. Ah merde! Il est très dur. D'accord. Mais avec un cap pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ironique? Ou est-ce qu'il va être dur pour moi? Putain mais... d'habitude quand je vais sur la... sur... tout à droite, eh ben, je me le prends quand même. Et là j'essaie d'aller sur la gauche et je me le prends quand même. Je bouge en bonneau à la broche. En plus on en voit de temps en temps... Bon alors laisse-moi passer, et putain mais quand j'essaie de passer par l'autre côté ça marche pas, et là il est dur pour toi, bah ouais c'est ce que je me disais. J'arrive pas à passer la première caisse. C'est lamentable. Putain mais bon je vais essayer de serrer tout à gauche. C'est bon, en fait il fallait serrer tout à gauche. Tout ça. Hey ! Mais le jeu est contre moi. Bon. C'est bon ? Merci. Bon sang de bonsoir. Ok, donc là c'est bon. C'était de l'autre côté. C'était de l'autre côté. Les indigènes, c'est toujours les extrêmes. Bah oui, je sais. Je sais, mais il faut d'abord que je me plante avant de trouver la bonne extrême. J'ai une chance sur deux, hein, tu me diras. Là c'est de ce côté-ci. Et là il fallait sauter, bon sang. on progresse, ça va, il nous reste 89 vies, y a pas de problème. C'est ça en fait le trou last boss. Oh t'es sérieux? Du gros skill, toujours, toujours, toujours. Voilà, c'est bon. Oh, mais non. Allez, s'il te plaît, le jeu, aide-moi. Laisse-moi réussir. C'est bon. Et les Wumpas qui viennent encore en plus en gros décalé. J'ai raté une caisse.
je sais même pas quoi dire, je suis à court d'excuses, je me sens mal pour vous parce que ça doit être chiant à regarder. Je suis désolée, je tente de faire de mon mieux, mais non. Mais putain, la caisse! Sérieusement, avant j'arrivais bien à la prendre, pourquoi est-ce que ça marche plus maintenant? Que serait lui sans son skill légendaire? Mais oui, tout à fait, mais enfin là on dépasse la légende. Là on a dépassé la légende, il n'y a même plus de stade pour ça là. Allez. Voilà, c'est bon. Donc on serre là, on... Ah, mais bon sang! Allez, allez! Qu'est-ce que je pourrais vous raconter en attendant, sérieusement? En plus, je suis à court d'inspiration, là, j'ai rien de rigolo à vous raconter. J'ai pas d'idée. J'ai même pas de rêve rigolo à vous raconter. C'est bon. Allez, dites-moi qu'il y a un checkpoint bientôt. Voilà. On progresse. Fou. Il y a intérêt à ce que j'ai toutes les caisses du premier coup. Enfin, premier coup. On se comprend, hein. Du premier essai sur le niveau. Non, j'en ai raté une. J'en ai complètement raté une. Allez. Hop. Ah putain. Je pense pas que ce soit pour le tryhard qu'on regarde. Bah dans ce cas je sais pas pourquoi vous venez regarder parce que entre mes fails là aujourd'hui le peu de trucs intéressants que j'ai à dire le tout cumulé je me demande comment vous faites pour rester. Mais ah mais c'est pas vrai. Je me demande comment vous faites pour rester. Vous avez de la patience, hein. Vous avez de la patience et j'ai beaucoup de chance de vous avoir, honnêtement. J'ai beaucoup de chance. Voilà. Ouah, c'était compliqué, hein. Pourtant, on dirait pas, ça avait l'air simple, hein, mais... Allez savoir. Cette musique, eh oui. Allez. Ah, c'est bien. C'est bien. Et ça y est, on les a tous. Nous avons tous les diamants. On va donc aller faire ce magnifique niveau. Tiens, c'est rigolo, le dernier stage aussi, il compte pour 32. Enfin, il compte pour deux niveaux. J'en étais à 30 sur 32 et maintenant je suis à 32 sur 32. Très très rigolo. Bien, on va donc aller faire le niveau à gemme. Il me manque 2%, c'est Cortex. Bah non, en plus Cortex tout à l'heure j'ai déjà fait. Cortex des pyramides. Alors, c'était celui-ci. Pour le cas où j'ai un F1 malheureux. Direction la vraie fin. Allez. Bien sûr, il fallait qu'il y ait des passages tout en saut. Waouh, comme elle est jolie. Elle est plus jolie comme ça que quand tu la vois genre sur les billets pour les trucs bonus ou en cinématique, j'ai envie de dire. Non, t'es sérieux? Oh.
Alors, il a compté que tu avais fait Cortex. En faisant toutes les gemmes, le jeu compte que tu as fait Cortex, qui compte pour un level et 1%. Pour ça que la dernière gemme donne 2 sur 2 au lieu de 1 sur 1. D'accord. Ah oui, non, mais là, vous pouvez complètement rigoler, hein. J'ai tout fait tout bien, et sur le dernier truc, je meurs. Mais sérieusement. Du grand moi. Du grand moi. C'est artistique à ce niveau-là. Ah mais c'est de la loose artistique. Je pense que personne ne peut égaler ce skill. Parce que si quelqu'un essaie de faire exprès, ça se verra. Moi je fais pas exprès. Moi c'est authentique. Et j'ai presque limite envie de faire une sauvegarde ici, honnêtement. Merci. Waouh. Regardez-moi ça. On a sauvé la demoiselle en détresse et c'est bizarre parce que du coup elle est plus sur le... Elle est pas sur le dirigeable, elle était à la fenêtre. Ah là là. Chaque artiste se doit d'avoir sa marque de fabrique, exactement. La mienne est peut-être plus compliquée à supporter que d'autres. Alors, papou papou, alors... Alors je crois qu'il a repris son île, papou, c'est ça? Alors je crois qu'il a repris son île, il me semble. Il a fait un truc avec le château, mais C'est quoi Kanko aussi? Alors attendez. Attendez, parce que du coup, il va y avoir plein de trucs écrits tout en hiragana, ça va être l'enfer à lire pour moi. Déjà que pour vous, ça doit être encore plus chiant, parce que du coup, on ne comprend pas ce qui est écrit. Kankochi. C'est Sightseeing Area. Donc je pense que ouais, c'est un espèce de paysage, un truc comme ça. Une vue. Et en tout cas, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Du coup, je mets en pause hein, pour avoir le temps de lire. Ah, quoique, je sais pas si c'est moi qui passe. Non, ça passe peut-être tout seul, je ne sais pas. Est-ce que ça passe un jour? Ça passe un jour. Alors, Reaper Roux. Alors, Chilio Kete Milu Milu Kashikoku Narimashita Saikin Daigaku no. Ah donc lui il a repris ses études je crois et il est retourné à la fac. Ronbun. Ah Ronbun c'est quoi déjà? Merde je sais que je connais ça. C'est quoi déjà? C'est... Ah oui une thèse, voilà. Ronbun oh hapyoshima. Donc il a publié sa thèse et c'est quoi? C'est Boltex. Ah Vortex. Shinkaron. Watashi ga tesai ni natawake. Alors, il a fait une thèse sur un vortex Shinkaron. C'est quoi ça? Ah oui, la thèse d'évolution. Watashi ga tesai ni tensai. C'est quoi déjà? Un génie, ah, mais putain oui. Donc en fait, sa thèse, elle porte sur l'évolution et lui, c'est un génie. Et comment est-ce que lui est devenu un génie? Quelque chose comme ça. Je vais tenter une traduction. Bâton, bâton, point, dague, bague, bâton, bâton, crochu, vague, bâton, quoi. Ah oui, Sightseeing, ah, d'accord, c'est une île touristique. Très bien, d'accord. Notez qu'elle change de... Elle change de pantalon. Elle en avait un bleu. Oui, et là, elle en avait un vert, exactement. Pour la fille qu'on a sauvée. À chaque fois j'oublie son nom. Dans les versions US et EU, mentionnez ça je crois. Non, non, il me semble qu'elle avait un truc différent. Elle avait un short d'une couleur différente. Alors, lui, comment tu t'appelles déjà? Alors attendez, je suis emmêlée dans mes fils. Koala Kong. Il a fait Hallyudo. Hallyudo. C'est quoi Hallyudo? Putain, décidément. Mais vous êtes chiés là à pas mettre.
Ah, c'est Hollywood! Putain, il a été jusqu'à Hollywood. Scout Universal, non. D'accord, donc il a été jusqu'à Hollywood et je crois qu'il est rentré dans les studios d'Universal. Imadewa Konga. Alors, il va participer au troisième film Kong. Voilà, il va participer au troisième film Kong. Shimagakaeru Hodo Okanega Hailimas. Et qu'est-ce qu'il fait avec. Et pour récupérer. Et en récupérant son île, je crois qu'il a gagné des sous ou un truc comme ça. Ou alors il va gagner des sous pour récupérer son île, je sais pas quoi. C'est pas un parc d'attractions? Dans les versions. Oui, il mentionne ça. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est peut-être un parc d'attractions, effectivement. Oui, pardon, j'avais raté une phrase. Alors, Pinstrip, Hakogare no Machi, Chicago. Donc lui, il veut faire une ville qui veut ressembler à Chicago, je crois. Ou alors il veut aller à Chicago. Mais alors en Amérique, les machine guns, les mitraillettes sont interdites aux États-Unis. Sujukotoga nakunate boyari. Citéimas, c'est quoi déjà Boniali? Boniali, c'est étourdi, évanouissement, distrait, fou, terne. D'accord, il s'est évanoui peut-être, je sais pas. Nitrobrio, alors Cortex Kara, Hanaleta, donc il s'est séparé de Cortex, ou de l'influence de Cortex peut-être, et il a repris ses recherches, j'imagine. Où il s'est barré des recherches de Cortex. Okane o kasegu tameni hajimeta patin da. Non, c'est. Ah, bartender, d'accord. Donc, dans le but de gagner de l'argent, il est devenu un barmaid. Et apparemment, il se débrouille plutôt bien. C'est devenu un bon barmaid. Il veut aller à Chicago faire le gangster. Oui, ça se prononce. Pinstripe, ouais je sais, mais j'aime bien dire pinstrip, moi j'ai toujours dit pinstrip. Et Cortex, alors, Crash, comme il a été battu par Crash, ce gars-là, on a perdu les traces de... On a perdu la trace de Cortex, je crois que c'est ça, en résumé. Mais Big Ena. Non, c'est Enu. Mais ah, d'accord, il l'appelle Big N. Très bien. Bah oui. So Kantani. Mais oui, effectivement, on a perdu sa trace, mais on ne se débarrasse pas si facilement de Big N. Voilà. Barman, barmaid. Je le vois bien en barmaid. Moi aussi, je le vois bien en barmaid, écoute. Laborieux, hein. Laisse-moi vous dire que c'était laborieux. Mais j'aime bien dire pince trip. Genre, tu vois, t'imagines qu'il pince les tripes des gens, tu vois, genre pince trip. C'est rigolo! Donc voilà, c'est la fin de Crash Bandicoot 1 pour de vrai ce coup-ci. On peut toujours pas passer la fin les crédits. On peut afficher le nombre de vies, c'est très très bien. J'ai pas fini à 99 vies, je suis très très triste. GG en tout cas, bah c'était laborieux. Ça, t'avais pas le droit. Mais si, c'est rigolo, pinstrip. C'était laborieux, mais j'aurais au moins fini une fois dans ma vie Crash Bandicoot 1 à 100% de manière tout à fait pas legit. J'allais dire illegit, mais. Quoique illegit, ça doit se dire. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Merci les save-têtes. Sinon, je crois que j'aurais juste fini Crash. Je serais pas allé en mode 100%. Loin de là. Trop dur. Beaucoup trop dur. Beaucoup, beaucoup trop dur. Et la soundtrack de Mutato Musica et Josh Mansell. J'ai oublié de lire le premier.
Skip Ball alias Wafront Silicon Graphics Kevin Noir. Et oui, In Memory of Taemin Kim. 96 le jeu. Très bien. Ils ont l'air un peu cons sur cet oiseau quand même. Hein. Un rien con. Eh ben, moi, je vous dis... Je vous dis... Waouh ! Je coupe le stream 2 minutes. On se retrouve tout de suite avec Crash 2 parce que c'est pas encore l'heure de bouffer. Alors, je jouerai bien un peu à Crash. Bandicoot 2 en japonais. Donc, à tout de suite. Restez là. Je relance l'émulateur. Je relance le stream. À tout de suite.